Alors avant que la vidéo commence, je tiens à dire que cette vidéo devait sortir il y a 2 semaines, mais à cause d'un petit problème, j'ai dû la décaler à ce week-end. Donc du coup, voilà, c'était juste pour vous dire, comme ça, vous ne poserez pas de questions en voyant le gameplay. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bye. Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Pour un pack opening, donc avant de faire le pack opening, on va tuer. Ouais, hein, c'est un peu indescriptible comme créature. On va appeler ça un arbre de feu. Donc ça devrait pas être trop long, j'espère bien. Surtout que je fais pas énormément de dégâts. Il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer pour tous les joueurs de Genshin. Là, j'utilise Diluc perso de feu sur un mob de d'éléments de feu et j'arrive quand même à faire des dégâts, alors que sur des blobs, quand j'utilise mon élément de feu, ça fait pas de dégâts. Mais bon, ça m'arrange, hein. Je peux utiliser mon meilleur perso, Diluc. Diluc, c'est clairement le meilleur. Ah mais attendez, j'ai utilisé Fischl. Mais oui, clairement OP sur ce perso, enfin sur ce mob. Ah vas-y, j'ai pas réussi à le mettre KO. Ah mais il casse les couilles. Ah je suis mort. Ah super. Ça commence déjà bien. Hein. Le pack opening pour ceux qui veulent savoir, j'ai déjà 10 invocations plus 7, ça fait 17 plus je sais pas combien. Voilà, ouais, 17, non 18 peut-être, je sais plus. Si quand j'ai tué le boss là, ça va me donner un truc pour améliorer un perso qui va me donner une invocation. Les invocations, c'est comme des coffres, hein. Où dedans on peut avoir des persos, des armes et tout le tralala. C'est bon, il est mort. On ouvre le coffre. Donc voilà, j'ai eu ce que je voulais. Donc on va aller partir améliorer Bennett et Barbara aussi. Je viens de voir. C'est Bennett que j'améliore d'abord. Hop, je prends son invocation. Barbara maintenant. Hop, je prends son invocation aussi. J'ai plus beaucoup de Moras. Hein. Je crois que c'est bientôt la fin des Moras là. Je vais plus pouvoir prendre les deux autres invocations que j'avais prévues. On va prendre les récompenses du pass, comme ça c'est fait. Hein, parce que hein, ça vous stresse aussi quand il y a un truc rouge là que vous devez récupérer. Ah, des livres. Ça va m'éviter d'en acheter dans la boutique. Donc là il y a la bannière Ganyu, machin. Là il y a Mona, Kiking, Kiki et des armes légendaires. Ouais, regardez, j'en ai 7 à faire. Alors c'est parti. Je suis sûr que je vais avoir que de la merde. Que de la merde. Même pas une légendaire, même pas une épique. Hein, vous savez quoi? Même pas une épique, c'est sûr. C'est sûr, même pas une épique. J'ai rien dit. Coïncidence, je ne pense pas. Ah bah c'est énorme. Ah bah ça m'arrange pas. Hein. Je veux pas des armes, je veux des persos. Faire que de passer, comme ça on va gagner du temps, que la vidéo va pas durer 10 000 ans. Que du bleu, mais que ça. Ça va polluer le jeu, que du bleu.
C'est nul, il n'y a pas une rareté verte. Hein? Il y aurait plus de contenu au moins. Épique, qu'est-ce que ça va être? Hein? Une autre épée? Donc là j'ai fait une invocation de Gis. Hein. Ah, Xingqiu, pardon. Bon perso, hein. Je l'avais pas. Chaque fois que je vais voir du violet, je vais stresser, je vais croire avoir une légendaire. Là, c'est avec que du bleu. J'ai pas un autre. Ah, bah. J'espère avoir gagné, hein, parce que j'ai entendu des bonnes critiques sur elle. Ouais, c'est pas des critiques du coup. Oh, légendaire. Mais c'est Ganyu, c'est sûr. C'est plus que Attel. Yes, c'est Ganyu. Désolé. Je suis content, tu vois, je veux montrer mon bonheur. Bon, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Elle va encore me coûter de fer à elle. On va avoir que de la merde. Ah, c'est de quoi? Ah, Noël. Pire perso ever. Bon, là, je vais avoir que de la merde. Si j'ai encore un légendaire sur les deux invocations qui me restent, ça serait le plus beau truc. Hop, ma dernière invocation sur Ganyu. Je vais améliorer mes persos, comme ça je vais faire les invocations. Ganyu, est-ce que tu es là? Non, ça c'est pas avoir. Voilà, on va l'améliorer pour avoir les trucs qu'il me faut. Ah bah j'ai passé. Ah, j'ai une idée, on va aller dans la boutique acheter des livres. Des leçons du héros. C'est où la boutique? Non, c'est pas là-dedans. Constellation. Quand je me dis qu'il faut avoir plein de persos pour avoir des constellations. Ah bah je vais acheter une invocation comme ça. Je ne savais pas. Hop, on a fait. On va la faire maintenant, hein, comme ça. Donc on perd pas de temps là, je suis pressé. Je suis trop content là. La fille, vous voyez là, c'est comme stressé là. Fille, je suis content quoi. Je regarde si mon micro était bien allumé. Parce que ça me dégoûterait de pas avoir le son, ma voix. Je vais devoir refaire la vidéo. Oh là là. J'ai envie d'acheter des livres du héros. Ah non, c'est pas des livres du héros. Ah mais j'aurais pas dû en acheter 10 du coup. Ça va pas me. J'en vais pas en avoir assez pour améliorer mes deux persos. Ouais, j'en ai clairement pas assez. Bon, je prends l'invocation. Hop, je prends l'invocation. Xingqiu à toi. Je vais racheter les vieux héros. J'en ai pas assez, hein. Ça va me coûter cher encore. Et puis pouvoir faire ce que je veux après. En acheter 10 encore. Comme ça, je n'achète pas trop et je n'achète pas plus. Oh, je refais. Ganyu, c'est la meilleure. Xingqiu aussi, c'est le meilleur. Ah, bah, j'ai pas assez. Oh là là, le karma. Moi qui étais trop pressé. J'ai pas assez de moras pour améliorer Xingqiu. Bon bah, dernière invocation de la vidéo. Voilà, j'en étais sûr. Du bleu. Qu'est-ce que c'est? Oh, une épée bleue. Incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Bon, je vais sortir de la grotte et je vais faire l'outro.
Là où trop. On va s'arrêter ici sur ce sanglier. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, je réponds aux commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.